La continuité avec le CP, bien sûr, est évidente. On retrouve un nouveau piano, par contre, avec plus de sons, les sons les plus complexes qui n'ont pas été abordés en CP. Et par contre, je pense que la méthode peut s'adapter, même sans avoir fait le CP. N'est pas nécessaire d'avoir utilisé avec ses élèves la méthode piano CP pour pouvoir entrer et s'approprier la méthode piano CE1. Les élèves découvrent le piano ou se le réapproprient et on rentre très vite dans cette méthode.